Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment diagnostiquer une panne de platine alimentation sur un téléviseur LCD LG. Généralement, lorsqu'une carte alimentation est défectueuse, le voyant de veille sous le téléviseur est éteint. Première étape, vérifier la valeur ohmique du fusible. Elle doit être approximativement de 0 ohm. Vérifiez ensuite les tensions en sortie d'alimentation. Un téléviseur en veille sort environ 7 à 8 volts. Lorsque vous allumez le téléviseur, cette tension passe à environ 13 volts. Le passage de 7 volts à 13 volts s'effectue grâce à la tension Power on envoyé par la carte mère. Cette tension est d'approximativement 3,5 volts. Si vous n'avez aucune tension en sortie d'alimentation, comme ceci, vérifiez la présence du 230 volts en entrée de carte. Si malgré la vérification du fusible, la vérification de la tension est toujours à 0 volts, remplacez la carte alimentation. Pour remplacer la platine alimentation, il suffit simplement de débrancher les connecteurs. D'enlever les vis autour de l'alimentation, de remplacer la carte, de rebrancher tous les connecteurs. Vous pourrez normalement récupérer votre tension de veille de 7 à 8 volts. Et lorsque votre téléviseur est allumé, donc vous avez le retour de 3,5 volts sur le power on, cette tension de 7 à 8 volts passe à 13 volts, comme l'indique la sérigraphie de la platine d'alimentation. Merci.